Merci, Marcus. It's a privilege to be here at the 10th World Policy Conference. C'est un privilège pour moi que d'être ici. And special thanks to mes remerciements les plus vifs vont à Thierry Monréal pour m'avoir invité, pour avoir organisé cette édition de la WPC en ce moment. Donc, ceci a des avantages et des désavantages. Beaucoup de choses ont été dites par rapport à l'aspect sécuritaire en Asie. Et je vais essayer donc d'étayer ce qui a été dit au préalable et à la lumière de ce que nous avons dire par mes prédécesseurs, les mutations dans le centre de gravité de l'Euro-Atlantique vers l'Indo-Pacifique avec l'émergence de la Chine a bien sûr fortement impacté les relations et les événements sur le continent asiatique. Donc, je vais parler de l'Asie du Nord-Est, de la région Indo-Pacifique et surtout des pays de l'Asie de l'Ouest. L'Asie peut être le continent de croissance économique, oui, mais la vérité, c'est que nous avons vu expérimenter la chute de la stabilité en Asie avec l'islam radical, les idéologies qui l'accompagnent, mais aussi la montée de l'orthodoxie, ce qui se passe en Corée du Nord. Donc, et je ne vais pas revenir sur cette thématique, sinon pour dire que la Corée du Nord pose une des plus grandes menaces au niveau sécuritaire au niveau de la région et au-delà du continent asiatique. We also heard a lot about what's nous happening avons aussi entendu parler de beaucoup de choses qui se passent en Asie du Sud-Est. J'aimerais retourner pour dire que la plupart d'entre nous en Asie sont concernés, préoccupés par rapport à la position de la Chine, une grande civilisation. Certes, cependant, il y a une impression que la Chine est en train d'essayer de baigner dans une certaine léthargie. Elle baigne dans un esprit d'exceptionnalisme, d'être un exemple unique. Donc, il est vrai que ceci devient une vraie et réelle source de préoccupation, surtout à la lumière des grandes ambitions de la Chine, donc son positionnement en tant que superpuissance militaire et économique. Donc, sa préoccupation s'ajoute à toutes les autres qui existent déjà et règnent au niveau du continent. Troubles in South Asia and West Asia. Maintenant, en l'Asie du Sud-Est et l'Asie de l'Ouest. South Asia, Afghanistan in South Asia. L'Afghanistan, par exemple, en Asie du Sud, est une des régions les plus conflictuelles, que ce soit au niveau de la région ou de par le monde. L'Afghanistan se trouve au sud de l'Asie, certes, mais au fait, elle est au cœur de l'Asie. Et la situation est extrêmement effrayante. Le gouvernement élu a perdu le contrôle sur toute la partie rurale du pays, qui constitue 40% de l'Afghanistan. Aucune des forces de l'ordre ne peut s'autoproclamer comme ayant la main et comme contrôlant une quelconque région au niveau du pays, surtout dans la partie rurale. Et ceci n'est pas fidèlement reflété dans les discours, les débats, mais aussi les initiatives qui ont lieu au sein des diverses régions de l'Asie. Ce que nous appelons communément les talibans, les réseaux Haqqani, mais aussi l'État islamique, Daesh, et ainsi que les aborigènes d'Afghanistan, tels que les al-Qatali islami, donc demeurent les aspects
than the actual qui définissent donc l'Afghanistan de par leur relation historique intrinsèque avec le pays. En moyenne, donc 30 à 40 personnes sont tuées presque quotidiennement en Afghanistan. La paix en Afghanistan dépend entièrement de la nécessité d'inclure les talibans autour de toute table de négociation. Sans l'inclusion des talibans afghans, et à moins à les amener à accepter certains ingrédients nécessaires pour toute forme de dialogue, il n'y aura jamais de paix au niveau de la région. L'exclusion du taliban sur la base de l'existence du spectre de Daesh ou l'État islamique, donc bien sûr, se trouvera toujours là comme un obstacle de taille. Et la situation est donc extrêmement complexe, extrêmement compliquée. Même l'intervention des groupes de combat, des troupes armées, bien sûr, n'ont amené vers rien de concret. Il y a bien sûr les groupes de coordination donc du Pakistan, en incluant l'Afghanistan, la Chine et les États-Unis d'Amérique, cependant, qui n'est arrivé à rien de concret. Et je pense que le mois dernier, pas plus tard que le mois dernier, donc les réunions, à chaque fois que des réunions se tenaient, il y avait des attaques dévastatrices en Afghanistan. Il y a eu aussi d'autres mesures de coordination, donc avec le groupe de contact qui a malheureusement été destiné à la même, au même échec. One is of course the Pakistan-India. Il y a aussi l'imbroglio Pakistan-Inde qui continue d'aller de l'avant avec comme arrière-plan les tensions qui ont toujours existé entre les deux pays, donc avec l'héritage historique. Et je pense donc qu'il existe un très grand nombre de contraintes sur les deux côtés et que la confrontation est loin d'être la solution idoine. Donc c'est une réalité, certes, mais je pense que le leadership des deux côtés donc a hérité de ces menaces, des menaces qui sont très très importantes et des plus fatidiques. Il y a aussi le conflit entre l'Inde et la Chine. Il existe des différences entre nous, donc nous avons beaucoup de problèmes, de conflits au niveau des frontières entre la Chine et l'Inde, mais tout conflit ouvert plutôt que penser ce conflit en dehors des frontières, surtout au niveau du Bhoutan et ailleurs, serait impensable. Je peux donc vous dire que l'Inde et la Chine sont conscients des complications potentielles à avoir lieu si on va de l'avant dans ces tensions qui sont là et qui vont encore être maintenues. Donc, le conflit au niveau des frontières entre la Chine et l'Inde, donc avec toute la portée historique et civilisationnelle que ceci représente, entre un conflit réel entre deux civilisations. Donc tout ceci requiert beaucoup d'attention. Quatre des grands pays musulmans dans le monde, en l'occurrence Pakistan, l'Indonésie, India, le Pakistan, le Bangladesh, qu'est-ce qui se passe maintenant à l'ouest de l'Asie? Il y a bien sûr les tensions idéologiques qui ont lieu entre l'Arabie saoudite sunni et les chiites de l'Iran, donc avec ce schisme au milieu de l'Asie entre des pays qui comptent le plus de musulmans. Donc les chiites et les sunnites, nous sommes ici au Maroc. Je sais que c'est un conflit qui demeurera pour un moment avec toutes les implications que ceci porte et c'est un problème qui ne va aller au-delà de cette partie de l'Asie.
Saudi Arabia is an instance le Qatar, la crise entre le Qatar et l'Arabie Saoudite en est un exemple éloquent. L'État islamique, surtout avec la perte de pouvoir au niveau de la Syrie, mais aussi dans certaines parties de l'Irak, l'État islamique. Stormtroopers are moving across dans the cette rest of the world. Région, donc, we need to be aware that et this les retombées Michael que ceci a sur le reste du monde, et Michael l'a si bien dit, bien sûr, il y aura une amplification du terrorisme à cause de toutes les pressions qui sont exercées à partir de cette partie du monde. C'est vrai que l'État islamique s'affaiblit, mais il y a une montée en puissance des Kurdes et d'autres forces alternatives. Mais je pense donc qu'on va être amené au point où on va se demander qui va contrôler les territoires qui autrefois appartenaient et étaient sous le contrôle de l'État islamique. Au-delà de tout conflit entre pays, il y a l'idéologie et il y a aussi les mouvements de radicalisation islamique, surtout pour ce qui est d'Al-Qaïda et l'État islamique qui demeure jusqu'à présent non affecté en termes de leur pouvoir idéologique du moins. One word of caution. If the Iran nuclear deal si maintenant, I think we'll have a new area of tensions. La question d'armement nucléaire en Iran n'est pas résolue, donc on va en venir encore une fois une montée en puissance de la crise. Et j'espère qu'on ait eu, je souhaite qu'on ait eu à débattre de cette question pendant toute une session plénière. Mon évaluation est la suivante, c'est que l'aspect sécuritaire en Asie est très compromis. Il est fortement affecté par toutes les raisons que j'ai énumérées. Les problèmes en Afghanistan, au Pakistan, les problèmes au niveau de l'Asie du Sud-Est. Donc, le fait que les ambitions de la Chine n'ont plus de fin, et tout ceci ne fait que rendre la situation de plus en plus compliquée.